tu jouais Spy? Je jouais Pyro, moi. Ah, très bien. Et je suis monté genre niveau 150 sur Overwatch, donc ça fait quoi, 100 heures de jeu? Ok. Le premier Overwatch? Ouais, le premier. Ouais, tu t'es pas fait du plus de mal que ça? En 2000, 2015-2016, quoi, donc ça a une éternité. Ouais, ben voilà, pour contexte, je jouais un peu à Overwatch à Panthéon, sur les pauses midi parfois. Tiens. Je jouais à autre chose, mais je sais pas quoi non plus. Non, je sais plus, moi non j'sais plus. C'est, en vrai, c'était peut-être un petit jeu indé qui datait d'il y a 10 ans, quoi. Ouais, peut-être, à peu près. Pas mal, ce jeu. Mais du coup, qui est qui? Je crois que le Falco vert, c'est Gabi. Je... Et que Zwan. Bah, d'instant, c'est comme ça que je le prononce. Du coup, faut pas se foirer parce qu'on a Zwan et Swan. Oui. Du coup, la prononciation va être très importante. Du coup, il va falloir qu'on prononce tout souvent Kiki, tu vois. Souvent Kiki. Ah non, souvent Kiwi. Kiwi. Souvent Kiwi. C'est trop dur. Souvent Kiki. Et si on l'appelle juste Kiwi maintenant? Putain, ouais, le pauvre. Excellent. 15 ans de Swan pour devenir Kiwi. Ah, écoute, il y a bien des gens qui changent de pseudo là après 10 ans, donc... C'est vrai. Il y en a qui changent aussi après 6 mois. C'est vrai. Puis après 6 mois. Oh non, Natalie. Ah, faut qu'elle se reprenne là, Swan. Après, forcément, elle commence le jeu, donc compliqué. C'est rude, hein. Le jeu est vraiment... D'ailleurs, je lui disais, faut que tu tech, quoi, parce qu'à chaque fois que je la knockdown, il y a zéro tech, donc forcément, tu joues contre même pas un CPU, tu vois, tu joues contre le training mode CPU level 0 qui bouge pas, tu vois. C'est ça. Et pareil, pas de laser, c'est compliqué quand tu joues Falco, tu vois. C'est tellement une part importante de ton jeu. Après, c'est... Enfin... Il faut laisser aussi aux jeunes le temps de se développer. Ouais, c'est sûr. Mais je pense pouvoir... Bah, ce que je disais, tu vois. Dans Melee, savoir bouger comme tu veux, c'est tellement important. Ouais. Et je pense que ça compte aussi... ça inclut aussi le jeu défensif, c'est-à-dire... Yep. Pour attaquer de la direction que tu veux, etc. Ça fait un peu partie du mouvement du jeu. Yep, totalement. Non, je suis d'accord. Enfin, moi, si je devais recommander à quelqu'un de commencer Melee, je lui dis franchement, tu vas passer 3 mois misérables. c'est ça. Enfin, en fait, t'as le choix entre passer 3 mois misérables où tu fais du tech skill. Oh. 3 mois misérables où tu vas faire du tech skill tous les jours et après ça ira mieux, tu vois. 6 mois si tu joues Fox. 6 mois si tu joues Fox. Et 1 mois et demi si tu joues Falcon. J'aurais dit ça pour Puff. Ah non, Puff c'est 2 sommes. Après ça passe et tu réussis à t'amuser, quoi. Mais c'est. Ouais, il vaut mieux. Faut investir au début et après c'est. Ça. Il vaut mieux savoir bouger et après essayer de comprendre le jeu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il se passe quoi? Vous avez tellement de. Ah mais non, il sait rien. Le message date de y a. Oh non! Non! Ah mais c'est Gabi là! Let's go! Ah c'est bien, elle a regrappé direct là. Bien vu. Pas convaincu par les back throw. Hein. C'est des bons mix-up parfois, mais. Ouais, mais le grab en général n'est pas trop, pas fou, quoi. Ouais. À la limite, la up throw pour shark un peu, quoi. Ah, jolie celle-là. Jolie. Let's go, Zwan. Qui est sur son oiseau de gala, là. Moi disons que j'ai des opinions sur le Falco de Gabi, franchement, enfin... Assez tranché, je pense. Assez tranché, voilà, je trouve que, bon... Tranché comment? Juste joumarf, quoi. C'est tranché comment? C'est une question importante. C'est tranché au couteau. C'est genre... C'est comme le tartare. Mais c'est quoi, c'est... C'est cisaillé, c'est tranché, c'est haché. Il a SD, 3 stocks sur 4. Mais ben on prend. On prend évidemment, mais... Moi si je bats Mango parce qu'il a essayé 3 stocks sur 4, j'irai à tout le monde, j'ai battu Mango. Ouais, bien sûr. Mon Kiki sera tellement dur, ça serait incroyable. Mais ouais, je préfère qu'il sorte son Marv, quoi. Parce que je trouve son Marv genre tellement à des 10 000 km de son Falco. Moi j'espère qu'il va rester sur son Falco et qu'il va se faire upset. Ça foutra encore plus la merde dans la foule. Ah yes. Parce que du coup, ça serait. Ah bah si, ça serait quand même lui qui serait devant, c'est derrière, ils font les mêmes résultats. Parce qu'il a l'upset sur. Enfin, il a l'upset. Il a battu Pega. Il a battu Pega, ouais. Il y a.
Elle a pas réagi au laser. Allez, hop, on met au bord du stage, petit F smash, c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est l'ADN des Falco, ça. Est-ce que tu veux savoir quelque chose concernant le Falco de Gabi? De Gabi. Le Falco de Gabi bat mon Ion Link, et par contre je le bats avec contre son marfou. Il y a des choses comme ça parfois dans la vie qui sont mystérieuses. Hein, et pourtant, maintenant que je vois ça, je me pose des questions. Après, effectivement, c'est un personnage qui est un petit peu plus demandant que Marf, quoi. Mais en fait, Gabi me donne pas la vibe d'un joueur de. Elle revient. Elle revient, parfait. Il me donne pas la vibe d'un joueur de Falco, quoi. Non, c'était Gabi. Ouais. Oh. Non, Gabi, il a clairement une vibe Marf. Hein. Oh. Petit F smash là, c'est kiff kiff, c'est bien. J'espère que. On va peut-être avoir un upset, hein. On va avoir un petit upset, là, ce serait bien. Là. Après, c'est toujours les derniers stocks qui sont les plus durs. Hein. Et en vrai, Zwan, elle joue pas depuis longtemps, mais. Tu sens qu'elle a fait un peu d'uncle punch, tu vois. Il y a des short up d'air, il y a des tentatives de shine, double shine. Tu sens qu'en fait, si c'est régulier, ça fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Il manque un bon mois de Dunkle Punch et là, on a du mouvement plus fluide. Exactement. Celle bien propre. Voilà, mais on va pas mettre la charrue avant le mémé dans les orties. Et non. Et salut, Just Play. Just in place. Oh. Il a tellement pas de race. Non, c'est vraiment. Il méritait de se faire upset. Un vilain. Et bah, du coup, 2-1. Bien joué à Zwan qui a pas démérité. Hein. On parlera pas de Gabi forcément, hein, parce que. Non, c'est un non, on n'en parle pas, parce que. J'en ai marre de ce mec. Marre. Et.